L'efficacité énergétique fait partie des défis permanents des foyers d'aujourd'hui. Cela permet non seulement de limiter l'utilisation des énergies fossiles, mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Dans cette quête, des chercheurs de l'Université Chicago ont créé un matériau de façade qui consiste à améliorer le confort des ménages en hiver comme en été, et en même temps l'efficacité énergétique. Mais, de quoi s'agit-il réellement ? Le matériau composite baptisé « revêtement caméléon ». Composé de plusieurs couches différentes, à savoir une feuille de plastique, de cuivre et de graphène, le composite est capable de changer de couleur en fonction de la température extérieure. Appliqué sur la façade, sa couleur varie également en fonction de la quantité de l'infrarouge qu'il émet ou qu'il absorbe. Durant les jours plus froids, par exemple, il apparaît en mauve. En revanche, lors des jours ensoleillés, il vire au jaune. Tout cela explique pourquoi l'Université de Chicago l'a décrit comme « caméléon ». Son fonctionnement est simple, étant donné qu'il comprend du cuivre solide, il est donc capable de conserver efficacement la chaleur, mais pas seulement. Il permet aussi de chauffer l'intérieur de votre habitation. La solution aqueuse, quant à elle, a pour rôle de maintenir la fraîcheur dans votre bâtiment. Mécaniquement flexible, efficace, non volatile et stable, elle favorise considérablement l'inflammabilité du matériau et maximise la sécurité des utilisateurs. Mieux encore, elle passe d'un état liquide en métal. Comme l'explique PC Chou, une fois que l'on passe d'un état à l'autre, aucune énergie supplémentaire n'est nécessaire pour y rester, dans aucun des deux. Ainsi, pour les bâtiments où il ne serait pas nécessaire d'alterner régulièrement, cela représente vraiment une quantité négligeable d'électricité. Réduction considérable de la consommation énergétique. Dans l'optique de tester l'efficacité énergétique du matériau susmentionné dans 15 villes américaines, les chercheurs ont confectionné des modèles appropriés. Le résultat est d'ailleurs très impressionnant. Ayant installé le composite sur des bâtiments dans les zones qui subissent plus de variations climatiques, ils ont constaté que l'économie de la consommation énergétique pour la ventilation s'élève dans les alentours des 8%. Quoi de mieux pour réduire au mieux votre facture d'énergie ? Ce matériau peut, de ce fait, devenir un allié idéal dans le cadre d'une rénovation. Contrairement à l'isolation qui nécessite parfois des travaux de grande envergure, il se démarque par sa facilité d'application. Il est toutefois important de souligner que pour l'heure, les composants qui constituent le matériau se révèlent encore assez chers. Néanmoins, les chercheurs prévoient de créer des feuilles plus conséquentes et de les transformer en tuiles ou en barres d'eau. L'aspect du matériau change lorsque l'un de ses composants est activé. En clair, si la couche de cuivre est active, il devient brun cuivré, en revanche, il se transforme en blanc foncé quand la couche aqueuse est active. Toutefois, en y ajoutant une couche de pigment, sachez que les couleurs affichées peuvent être différentes. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. À bientôt sur lesdenicheurs.net.